c'est la deuxième vie, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On est parti pour une nouvelle série, on est en B1 Pro. Notre nom, ça va être, ben, mon nom, comme vous le connaissez tous. On va dire Jean-Mi. Mon nom de famille, vous le savez, avec le reste, avec les autres vidéos, c'est Fortin. Je suis à l'aile gauche, même si je suis droitier. Je vais me mettre attaquant puissant, je vais attaquer pour aller voler. Voilà. Mon nom de commentaire, ça va être Fortinos. Fortinos. Donc on va commencer en coupe. Ben, on va jouer la dernière saison. Genre, façon à plusieurs épisodes, là, on va simuler. Un mois, on va jouer un match, on va simuler un mois, on va jouer un match, on va simuler un mois, on va jouer un match, et ainsi de suite. Peut-être plusieurs, plus qu'un match, ça dépend de ce que vous allez marquer dans les commentaires et tout ça. Donc, je vais être valant, on va se mettre droitier, à l'aide gauche droitier, on va me mettre un peu plus lourd, même si je suis grand, mais je suis pas. Je suis quand même assez grand, mais je suis pas très lourd, pas en tout, là, je paye seulement 115 livres. 105 là. Parfois. Mois de janvier. Mois de juillet. Ça va être le 19 juillet. Parfait. Non, je suis un jeune de classe. On va mettre Québec. Ok, ça c'est fait. Et on va aller mettre l'origine au Canada, c'est fait. D'accord. Donc ça ressemble un peu à notre choix. On va aller changer l'apparence pour commencer. En fait, je vais laisser de même. J'ai toujours laissé celle-là. Je vais changer sa type de coupe de cheveux. Non, c'est laid. Ben, c'est pas laid. Prendre ça. Faudrait juste qu'il soit un peu penché de bord. Qui ressemble un peu à ma coupe. Ça, mais avec moins de cheveux sur le top. Pas de cheveux partout, coupe longueuil. Oh, si j'ai le goût de mettre une coupe longueuil. Je le ferai pas, c'est laid. Bah, tu vois, c'est laid. C'est ce que je pense. Et écrire ça aussi là. Encore plus ça. Oh, je pense que je vais y aller avec ça. Ouais, je vais y aller avec ça. Je vais changer la couleur des cheveux. Et on va les mettre brun. La couleur de la barbe. Celle-là, là, ouais, on va la mettre brune aussi. Demain, non, demain, on a, mais on va se mettre à la brune, la Brett Burns en plus petit pour les séries et dans la saison, on n'en met pas. Alors ça c'est correct, on va aller changer l'équipement. On va prendre tout ça CCM comme moi j'aime bien avoir. Pour lui... C'est-tu mon casse? Non. Non. C'était lui. Ouais, c'est lui. Ça ressemble à ça mon casse. Pour ceux qui voulaient le savoir, on va rentrer le chandail dans les culottes complet. Puis au pire, on pourra changer à chaque match de célébration. J'aimerais ça découvrir toutes les célébrations avec vous. Même si la majorité du monde doivent toutes les connaître déjà. Mais c'est ce que je vais faire. À tous les matchs, on va avoir une nouvelle célébration. Puis à la fin des séries, on choisira la célébration qu'on aime le plus. Ça. Mettre ça comme ça. Et tout ça, c'est correct. Les patins, c'est comme je les aime. Les culottes, on va les mettre grandes. Mais longues.
que j'ai les culottes longues de main. À peu près. On va mettre arrière, comme ça. Mais mon stock ressemble pas mal à ça. Et les bâtons attaque et ancien passion. Application. Passion scout ou la Tarasani. On va y aller avec Piqué Souban en premier. On ira avec Patrick Kane, après ça John Scott, puis on a tellement. Moi j'aime mieux les célébrations qui mettent un jeu à terre et fassent une célébration de main. Je sais pas trop pourquoi, mais c'est pas mal ça. On va débuter un CHL avec les. Attendez, l'équipe de ma région, les Saguenay de Chicoutimi avec German Newstuff, Rubstuff, qui est arrivé en fin d'année, mais il s'est blessé pour 2 mois, donc il a pas pu jouer. Il a joué une vingtaine de matchs avec les Sags. Cette année, Nicolas Roy, espoir des Hurricanes de la Caroline. Et Julio Bilia, un des meilleurs gardiens de la LHMQ avec Callum Booth, selon moi. Et Bilia s'est fait commencer à 17, 18. 16, ce serait plus vers mon âge, genre 2 ans de plus que moi, un an de plus que moi. Peut-être avec 17 ou 18. Je vais pas faire trop d'années, je vais y aller avec 17 pour se faire repêcher. Là, on a des risques de se faire repêcher. Et ensuite, on y va avec le reste. Donc, les tirs sont au niveau 3, pression au niveau 4. Habitude à la rondelle, désolé pour bouger mon micro. J'ai commencé à avoir mal aux oreilles un petit peu. On est au niveau 5, pression au niveau 6. Après ça, 5 pour les sens, 5 pour le patin, niveau 4 pour le physique. Niveau 2 pour la défense, donc on a une note de 70 environ, 70 contre lucidité, def, mise au jeu 67, blocage de tir 72, mise en échec au bâton 77. Continuer, on voit que moyen, on va rester à la difficulté moyenne, pro, Fortin, et signé par les Sides, donc on commence pour une 10 minutes par période, sauf que nous on va pas jouer 10 minutes à peu près, je sais pas si c'est 10 minutes qu'on joue, ça doit être 4-5 minutes à peu près. On va commencer sur un trio de bas, puis ensuite pouvoir monter d'overall au fur et à mesure des games. Donc au montage, j'allais voir, je vais rajouter, pour ceux-là dans le live, il y a une couple de personnes, pour ceux-là qui veulent me parler dans le live, vous avez qu'à m'écrire. Et pour ceux-là qui veulent voir la version finale sur ma chaîne YouTube, ça devrait arriver d'ici une semaine ou deux. Parce que là, j'ai mes entames qui arrivent, je suis sur le bord de couler, fait que je rush. Donc, je peux pas trop laisser ça de côté. Mais d'ici une semaine ou deux, je devrais être capable de faire le montage pour ça au travers de mes travaux et à l'école dans les temps libres qu'on a. Donc, on est déjà en première ligne d'attaque. Deuxième ligne de supériorité numérique, deuxième supériorité numérique à 4. C'est d'abord là, je sais pas. Première ligne 4 contre 4, 3 contre 3, prolongation 1. Et on est premier à aller, puis on va en prolongation. Donc moi, ce que je vais faire, je vais jouer le premier match local. Pas moins que non, on va jouer le premier match. Bienvenue, c'est le début d'une nouvelle saison pour les Saguenay de Chicoutimi. Nous attendons beaucoup de votre part et nous voulons croire que vous serez à la hauteur. Nous recherchons un attaquant polyvalent redouté aussi bien près du but adverse que son propre camp. Bienvenue à vous. Cette année, faites vos preuves. Cette année est très importante. À la fin de la saison, vous pouvez être choisi lors du prochain repêchage. Le recruteur vont vous avoir à l'œil. Alors assurez-vous de jouer un maximum de vos capacités. Je ferai de mon mieux pour vous indiquer ce que les recruteurs me disent tout au long de l'année. Ça, c'était mon agent. Je voulais juste vous dire ce que j'attends de vous. Attention, je n'ai pas de chouchou dans cette équipe. Vous débutez sur le premier trio d'avant, mais j'évaluerai vos performances après chaque rencontre et votre position dans l'alignement tous les 9 matchs environ. Si vous voulez du temps de jeu, il va falloir être bon. Donc d'accord coach, on est prêt, on va jouer notre premier match contre les Remparts de Québec. Donc on va jouer,
premier match Fortin dans l'alignement des Saguenay Chicoutimi. On va vraiment new stuff. Ici, non, on va mettre les chandails à domicile demain. Puis local. Celui-là. Il était mieux les anciens, les remparts. J'aimais mieux les anciens. Si je pense au montage, je mettrais une image des anciens. Chandail des remparts. Dans le temps de Radulov, c'est pour ceux qui veulent aller voir si j'ai pas le temps de le mettre au montage. Dans le temps de Radulov, vous avez. Ça va. Ok, Radulov, rempart. Oh. Oh, puis voilà. Je suis quel numéro? 22. Fortin. Fin, ça fait enlever la rondelle. Envie défensif aussi. On joue seulement offensif. Alors, par la 10. T'sais, Galipo, remet à Kima. Kima. Allez, ça fait enlever le 10. Galipo. À Roy, à Fortin. Fortin, si, c'est à côté du filet. The Ramparts in their own end, ready in attack. C'est les remparts sont partis à l'attaque, c'est revenu par Boucher. Boucher. Big drive. On remet à Crossman. À Coucherin. Moves it to the corner. Let's it go. That hit somebody. Là, on va annexer. Gustav va embarquer sur la glace. Je pensais pouvoir jouer avec Gustav, mais il est à la gauche lui aussi. Malheureusement, on ne sera pas sur la ligne avec Rearman Hoopstuff, le choix de première ronde de l'an passé des Flyers de Philadelphie. Oh, c'est 1-0 déjà les remparts à 13 minutes. Le coach décide de nous envoyer sur la glace. C'est gagnant la vie. À Klima. À Fortin. Fortin tire, c'est la haie du gardien. C'est pas quand le move, là, il pète les remparts. Boucher. Boucher. Let's it go. Great save in close. Seems like he was in too tight on a goaltender. Donc, c'est. On est. Désolé, j'ai lancé un message. Drill! Oh, stick save! He covers and a face off. Ouais. Je réponds, c'est moment que je m'écris. The low shot's handled with the goaltender stick. He deflects this out of danger in a hurry. Over 8 minutes have been played. Donc, the on est parti. The Ramparts lead 1-0. Strong play on that faceoff. You have to be strong to hold that other guy off. The Saguenayans continue to probe up the wing. Puck loose. On va y plaquer, Oh, bad giveaway there. That one blocked. Oh, bel arrêt du gardien. Et ce sera l'arrêt de jeu. Le coach nous demande à l'UNHC, est-ce que nos salles vont se faire marquer un but? Et non! Quebec's carrying on up the wing. Got it. Et c'est bloqué par Klima. À Klima. He gains the zone. Shoots one. Didn't miss by et Klima décide de tirer. Garde le 10, Fortin. On met à la défense pour gagner la vie, je crois. Mais c'est manqué. C'est renvoyé dans la zone des sacs. C'est l'arrêt de Julio Biglia. Boucher. Boucher, tu sais, c'est l'arrêt de Biglia. Fortin essaie de faire la passe pour Klima. Mauvais jeu du côté de Klima. Fortin a déjà en place pour recevoir la passe. That was a major league collision. Quel beau hit du côté de Fortin. Loose puck couldn't drag it through. On dorme dans le fond et on va annexer. The Ramparts control the play in their own end. On va simuler. Donc c'est 7 à 4 quand même les tirs présentement. Et après le reste peut-être de la période. The final of the non, il reste 55, c'est 9 à 7 et on a scoré. Dernière minute de jeu en première période. Slid to Boucher. Directing oh, bon titre du côté de Fortin là. Roy.
backhander to the net. Just wide. Tir du revers, du côté de Fortin, c'est manqué. Ouais. Ah, mais pour Fortin. Tir, c'est Climat. Climat à Fortin. Tir! Non, l'arrêt du gardien des remparts. All alone in front of the goaltender from this area of the ice. Great save. Let's it go. Just threw it into his pad there. Et ce sera la fin de cette première période du côté de nos axes. C'est 1 à 1 la marque. Fortin, aucun point. Fiche 0. On a 8 à, c'est 8 à 10 les tirs. C'est le 10 à 8 les tirs du côté des remparts. Second period underway and we are even. Free puck off a defender there. Oh, petite fin du côté de Fortin. C'est manqué. Propelled to Boucher. Hanging on to it up the wing. Perfect pass! In front! Oh, voilà, on se fait briser son bâton. Non, il devait juste s'échapper. Blank save. Là, c'est Galipo à Fortin. Fortin dit! C'est l'arrêt du gardien. Oh, and he's hammered! Well, he's been looking for that hit all night. Wow! Belle mise en échec sur Fortin. Up the wing. On a essayé de faire la chaise ensuite, c'est manqué encore. And that one turned aside. Okay, so he's got it on his stick. What'll he do next? Gains the zone and looks over his options. No. À côté du filet, le tir de Fortin tire encore à côté du filet. Encore une grosse mise en échec du côté de Fortin. On va aller là-dessus. Gives it to the point. Shoots one. Didn't get through. Est-ce qu'on va se charrer? Non. C'est 12 à 11 et du côté des remparts, là, les 5 se rapprochent des remparts du côté des tirs. Oh non, 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 la passe a été déviée là. Il y aura un dégagement, dégagement refusé du côté des Saguenay de Chicoutimi. Pardon. 300 à côté de Fortin et de Climat. Ouais, pousse, c'est Fortin qui reprend, remet pour Climat. Climat se fait plaquer solidement. Galipo, pas mal Climat. Climat. Gets in, looks over his options here. Oh, belle passe de Fortin, mais qui s'est fait intercepter. Now it's directed to Boucher. Out in front, score! Oh non, 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 on s'est fait charrer. Et c'est 1, 2 à 1 la marque. Pour les rangs. Have taken the lead by one. What fork in the road are we headed for with this face off? Ouais, pour ça, on dirait mise en jeu. On met à Crignan Labbé. And he steps across the line. Seeks the corner. Great save at the edge of the crease. Ça passe, c'est proche là pour nos sacs. You gotta find a way to put the puck in the net. Alors, on se renvoie dans la mêlée. Après, c'est 13 à 13 ici. Il reste seulement que 7-28 à faire, 7-25 là, en cette deuxième période. Galipo, vraiment Kevin Climat. Kevin, avant. Vraiment Fortin, Fortin tire à côté du filet encore. Les précisions, le tir de précision Fortin n'est pas très élevé d'après moi. Il devrait se pratiquer là-dessus. Good solid defensive play with the stick. The Saguenayans have it up the wing. Walking a thin line near the border. Fortin tire, c'est l'arrêt du gardien des remparts. Ah, Fortin s'est fait plaquer là, réussi pour check le joueur adverse. Réussi à récupérer. Pour check encore, là, c'est repris par la défensive. Par l'offensive des remparts. We'll want to head up the wing. Good shooting place. The Ramparts with possession up the line. Ah, la porte. Let's it go. The shot is off. You know what, Doc? I can see why he missed the net. There was nothing there. He tried to be too fine. Just missed. Le tenté de block shot, c'est manqué. La dernière minute de jeu, c'est deuxième période. Ça, c'est Kevin Climat. Tir de Fortin à côté du but. Mais voyons. A shot off his head. Encore un autre tir. Encore bloqué du côté du gardien. A whistle. Moi, c'est qui ce gardien là? Qui serait? Qui serait?
I don't know how the shooter can do much more than that. The goaltender made an excellent save on a great bid for goal. Rubstaff affiche de moins un tir ce soir. The Saguenayans win the draw. To Waugh. Score! Porté à Roy, le but! This one is tied! Je vais à Roy, le tir, et le but! Nicolas Roy! The Saguenayans have tied the game. It looks better for them. Gagnant la baie et Fortin sont les bas sur ce jeu. Fortin réussit à faire un beau poke check. Fin de Fortin, c'était plus dommage que de bien. Well, on the heels of that, it looks like we might have on essaie de la se battre le drapeau well, contre Fortin. Est-ce que ça va être une bagarre à la fin de cette période? Oui! Reste seulement 2 secondes et drapeau et Fortin veulent régler leur compte sur cette bagarre. Fortin réussit à atteindre une droite de drapeau. Une seconde, une troisième main. Frappé Fortin, c'est dangereux. Mais Fortin réussit à gagner cette bagarre. Première bagarre de russe, Fortin dans la et la chienne. Donc on passera les 5 prochaines minutes dans la, sur le bas des pénalités, à moins de l'arrêt de jeu. À moins qu'il n'y ait pas d'arrêt de jeu, on pourrait passer le reste de la période. Mais ben haut. Two periods have been played. They've worked pretty hard at it, and they get a well-deserved rest. Third period coming up shortly. 18 à 14 et tirs du côté des Sides. On commence à remonter la pente. Mais est-ce qu'on va être capable de gagner ce match? C'est ce qu'il reste à voir. Il reste seulement qu'une période aux Sides pour marquer seulement un but et bloquer les tirs et tout ça des remparts. The Ramparts do an excellent job. Donc il reste seulement que 12 minutes 12. C'est 3-3, on a charré un but chaque côté. Over the last few games, it's a crazy number. Blocker away. Fortin tire, c'est l'arrêt du gardien à cause. C'est une belle fin de journée de Fortin, ça a encore manqué là. Just over 8 minutes play. We've seen a lot of offense so far, some of it successful. 3-3. Encore block shot du côté des remparts. L'équipe de block shot, on dirait. And he gains the zone. Really good deflection. No harm. And he goes into semi Beauregard's retreat. Remember the Civil War? Beauregard. Bien sûr, je pense. Let's it go. Just missed the net with that one. Billard remet à Craignant la baie, je crois. Ça s'est repris par Fortin. Protection de la rondelle du côté de Fortin. Tire, c'est l'arrêt du gardien. Et encore, Fortin se fait bloquer. Ça s'est revoir ensemble. Encore une question de Kevin Climat, Fortin et Roy. Fortin tire, c'est encore bloqué à la défense. Voyez pour Kevin Climat. À Roy. Encore manqué, Fortin, pour Roy, acclimatiser, quel arrêt du quartier, exact, ça faut voler carrément. C'est 4-3, il reste 5 minutes 39, c'est notre chance de pouvoir sauver notre équipe de la défaite. The Ramparts want to generate something up the wing. Whoa, what a play! Fortin. Ramarois, ça avance, Fortin, tire, c'est bloqué encore par la défense.
The Rampart setting things up in their own. Brister, that hit somebody. The Saguenines look to make a difference up the wing. Fotino should try to do a little less in the offensive zone there. Up the wing. That one is pointed to him. Oh, here's a chance now on the giveaway. And he throws it in, hopes of getting it back. The Ramparts realize they have to get this puck in deep. On the outside, a shot. Off the mark. Ça comme hockey, I think that missed opportunity seals the fate in this game. I don't think they're coming back after Est-ce that missed opportunity. Est-ce que nos sides vont être capables de marquer? Fires a shot. Save. En fin de match. Et on croise les doigts, là. On croise les doigts. Et non, malheureusement. Premier match, première défaite du côté contre les Remparts de Québec. On aurait fini avec aucun point, mais quand même un bon match. Une bagarre, ils peuvent gagner. Not when you're short-handed, and they got some tonight. Donc les 3 étoiles de 3 stars après avoir checké toutes les bouges. Gagnant la baie avec 3 passes et du côté de la deuxième étoile, du côté de la première étoile, Maheu, avec 2 passes et 2 mises en échec du côté de la framboise. La framboise, tabarouette. Un but et une mise en échec du côté des Remparts. C'était la victoire des Remparts. On va simuler jusqu'au prochain match qu'on va jouer dans le prochain épisode. Et on se redira à la prochaine, juste après. Et on va jouer quel match? Elle est là la question. Le premier match local, ce serait contre Backers. D'accord de Bécomo, d'accord? Ouais, d'accord de Bécomo. Ensuite, on va aller jouer les 2 matchs à Rimouski. Ouais, c'est ce qu'on va faire. On va simuler le match contre Chaoui et victoire. Vas-y, on va prendre les teams. Oui. 5 heures de tir cette semaine. D'accord. On simule jusqu'à au match contre Bécomo et on va se dire salut tout le monde. On vous laisse là-dessus. Salut tout le monde, à la prochaine. Bye bye.